Eh bien, tu sais quoi, Marcus? Ça me fait plaisir de faire ce tour du monde avec toi. La vie n'est qu'aventure, après tout. Allez, Romuald, mets les gaz. Et plutôt deux fois qu'une. Allez. Dis à Romuald que je vais vomir, là. Quoi? Dis à Romuald que je vais vomir. Arrête-toi, Romu. Ah, mais pas si fort, tu cours. Bon, on va installer notre bivouac ici, puis on bougera dans quelques jours. Bah, tu l'installes où, le bivouac, là? Dans la chambre d'hôtel. On perd un peu le côté aventure et road trip quand même, non? Tu rigoles ou quoi? L'eau, elle est grave froide, mec. Waouh! La vache! Là, avec ça, j'ai les tétons qui vont pointer au max, là. Waouh! Hola! Hola, paraíso cafayate. Waouh, on n'a pas tombé sur le plus beau, là. Non, mais je suis français, les mecs. Le plus beau temps, il caille ici, hein. Waouh! Fait juste 30 degrés là. Ouais. Allez, on va avancer, nous. On a fait demi-tour gauche, on s'est décalé à droite. Et ensuite, n'importe quoi, on n'est pas perdu. On a fait une ligne droite, demi-tour, et je crois qu'après. On est perdu. On n'est pas perdu, tais-toi, quoi. Ça y est, tu veux que je te dise qu'on est perdu? Tu veux qu'on s'engueule devant tout le monde? Eh ben super. Eh ben là, mon gars, t'as tout gagné, je me barre. Bon, on va faire la paix maintenant parce que je crois qu'on est perdu. Mais t'inquiète pas que quand on va revenir, je vais te faire la gueule de ouf. C'est bon, tu peux pisser, y'a personne là. Non mec, je suis trop pudique, je vais pas me mettre tout nu là. On est en plein milieu du désert, y'a personne pour te voir là. Bon, ok. Ah ouais, yes, super. Petite bite. Vas-y. On va t'en cul. Putain, 7 heures qu'on attend, pas une bagnole, j'en peux plus moi. Ah, moi aussi, c'est pareil. Oh, y'a une voiture. Oh yes, enfin. Oh, c'est bon, on est béni. Hola. Hola. Two place. Yes. Yes. Vous avez la clim? Parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Oh, no air conditioning, vous avez pas? Pas grave. Allez, bye. Ciao. Ciao. Eh ben, tu vois, pas de chance. La seule voiture qui passe en 7 heures, pas de clim, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Cherchez mon couteau. Ah, tu le pointes vers moi, là. Moi je vais courir. Mais te barre pas! Reviens! Calme-toi là, on va s'épuiser pour des bêtises là, c'est nul! Putain, cette vue, c'est un truc de dingue, non? Oh! Waouh, waouh, waouh! C'est énorme, t'as vu ça? Ils ont mis des filtres bleus, des filtres rouges, tu peux y aller quoi. Ah, ils s'arrêtent plus la technologie. Mais t'es pas sérieux, tu veux pas prendre des photos avec tes yeux là plutôt? Si. Non mais t'es vraiment pas en train d'essayer de prendre des photos avec tes yeux là quand même? Non! T'es sûr que ça va? Je t'avais mis des médocs dans ta pharmacie. Oui, j'ai tout, c'est juste un mal de tête. Le Doliprane, l'Exomine, le Ketalène, tu l'as? Oui, tout, faut que je te laisse. Bisous. C'est quand même plus efficace ces médicaments locaux. Hein. De ouf. Bisous, maman. Non, t'as déjà raccroché là. Ah oui. Oh putain, on arrive sur un gros courant d'eau là. Ah mais le 4x4 c'est tranquille. Minimise pas l'obstacle, Romuald. J'appelle les secours. Ici Tango Charpy, on en sortira peut-être pas vivant, on arrive sur un gros courant d'eau là. À vous les studios. Ah putain, yes, on l'a fait là. Super Romuald, putain. Dégage. Pardon. Je comprends, t'es encore sous le choc. Avec ce qui s'est passé là, c'est... Putain mais c'est pas possible, il arrive des moins 52 là, il fait 30 là. Ouais mais on a fait beaucoup de route, c'est changé vite le climat. Ah bah attends, c'est abusé ça. Attends, il se met à pleuvoir maintenant, merde. C'est une blague ou quoi? Il pleuvait il y a 2 minutes. Mais là c'est que sur moi là. C'est... Non, ça c'est un mec bourré qui te pisse dessus depuis le balcon. Ah yes. Tu vois, moi ça me fait plaisir de passer cette soirée avec toi. Et puis même si demain je pars, je reviendrai pour toi, c'est sûr. Allez, je vais installer la tente. Je reviens. Allez, je veux baiser, moi, merde. Ça me fait chier. Ouais, bon, j'y réfléchis, je suis pas hyper fan des relations à distance, quoi. Moi, c'est pas moi, ça. C'est... Après, sinon, j'ai vu des buissons. Elle buissonne. Non, ok, je rigole, ça va. C'était une blague. On va pas faire ça dans les buissons, quoi. Ça fait 4 heures qu'on n'a pas mis ma musique, est-ce que s'il te plaît on peut en mettre une? Ta musique elle est pourrie. Mais ta race elle est pourrie, je vais tirer le frein à main si ça continue, on va en mettre une ou pas?
Ouais, mais si tu tires le frein à main, tu niques la bagnole. Mais je m'en fous, de toute façon, on est paumé dans ce putain de pays, je comprends rien à leur langue en plus. Voilà, qu'est-ce que t'as? T'as un truc pour te laver? Non, mais du savon, quoi. Ça. Non, mais du savon pour se laver, pour être propre, quoi. C'est une blague? T'en veux plus? Non, ça va aller. Ouais. Ouais. Je vais plutôt essayer d'installer une relation d'amitié avec mon odeur, quoi. Ça va être. Ça va être mieux, quoi, histoire qu'on s'entende mieux, elle et moi, parce que là. Ah, on n'est pas copain-copain, là. Et. Allez! 15 jours qu'on dormira à la belle étoile à traverser les montagnes. Y'a plus dur comme vie, non? Putain, tranquille, Emile. Facile, quoi. Allez, on y va. Allez, basta, on bombe. Ça fait 10 jours là, on fait quoi? Je crois que je me suis pété le poignet, Damien. Ouais, 10 jours ça suffit, hein. C'était bien, hein? Oui, c'était bien. Ouais, on s'est amusé, c'était cool. Ouais. C'est vrai que moi j'ai une préférence à rentrer vivant, quoi. Moi aussi. Ouais, allez. Ah, mais non. Ah, pardon, Titouan. Allô? Ouais. Ouais, on a crevé, ouais, ça fait chier. On galère à remettre la roue là, je te dis pas, c'est un bordel. Ouais, c'est fatigant, puis en même temps, mentalement aussi, t'en prends un coup, quoi. Hein. Sortir la roue qui pèse une tonne, la remettre. Enfin, moi, je suis mort, c'est abusé là. Bon, faut que je te laisse. Tanguy, tu peux me relever s'il te plaît là? Je suis triste et ça me fatigue. Bon, les loustiques, prêts pour le grand voyage? C'est parti là. Ah oui, j'aurais peut-être dû vous dire, j'ai peut-être pas mis assez de place pour vos valises. Et comment on fait là? Mais t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Hop! Non, mais je vais ralentir dans les virages.